Alors, je vais conclure cette cérémonie des vœux, et puis après, je vous le rappelle pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, il y aura un concert et un petit buffet. Et le concert est très bien. Babor Swing, c'est vraiment de la haute technologie, haute qualité. Hein. Et ils ont besoin d'être connus parce qu'il faut qu'ils rachètent leur matériel, ils m'ont dit. Bon. Alors, plus sérieusement, je voudrais commencer ce discours de clôture par remercier, donc évidemment, remercier monsieur le maire du 4-5, et tu l'as j'ai dit déjà tout à l'heure, Didier Jo. Remercier aussi la présence de Sophie Camard et de nombreux élus du 1-7. Mais remercier aussi donc, les syndicalistes, donc Virginie qui nous fait la présence d'être là, mais il y en a d'autres aussi dans la salle, et l'ensemble des militants et militantes des différentes composantes politiques, évidemment de la France Insoumise, qui est ici présente, puisque je suis député LFI NUPES, mais aussi je vois des militants et des militantes du Parti Ouvrier Indépendant, du Parti de Gauche, du Parti Socialiste, qui sont toujours présents à mes assemblées de circonscription, du Parti Communiste, d'Ensemble, et aussi des écologistes. Donc voilà, moi je pense, et j'ai toujours dit, j'ai été élu quand même sur une étiquette NUPES, et pour moi c'est important de continuer à faire vivre ça, même si vous l'avez bien compris, à l'échelle internationale et nationale, la NUPES est un peu en difficulté, mais en tout cas dans la circonscription, nous continuons d'essayer de faire vivre l'espoir d'une gauche qui se rassemble sur une ligne de rupture. Alors, maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on fait les vœux un 1er février. Yannick Ohanessian, qui est assez conservateur, m'a dit « mais c'est n'importe quoi ». Yannick Ohanessian qui est en charge de la police, ça ne m'étonne pas que quelqu'un qui est en charge de la police ne comprenne pas qu'on fasse les vœux un 1er février. Il me dit « mais non, les vœux c'est jusqu'au 31, c'est pas possible de faire les vœux un 1er février ». Et bien en fait, on les fait le 1er février parce qu'on attendait le discours d'Attal. Ben oui, voyons, nous on savait que ça serait tard. Bon, non, plus sérieusement, j'ai eu la chance du coup de suivre en live le discours de notre nouveau Premier ministre. Est-ce que vous l'avez écouté? Non. Ah. C'est comme Macron, on ne l'écoute plus vraiment. Hein, voilà. Alors, moi le discours d'Attal, mon premier sentiment c'est j'étais déçu. C'était médiocre. Et c'était vraiment médiocre. D'un point de vue purement formel, il n'y avait pas de plan. C'était totalement décousu. Alors, au point où, quand je suis sorti, j'ai été voir Olivier Faure, il y avait Olivier Faure qui était là, et je lui dis, mais l'ENA, c'est plus ce que c'était. Olivier Faure, qui s'y connaît mieux que moi en énarque, me dit, mais il n'est pas énarque. Je dis, ah, bah, je comprends mieux. Non, c'était mauvais sur la forme. Mais ça montre quelque chose, c'est que le personnel politique qu'on a actuellement, le macronisme, en réalité, il a même un problème de ressources humaines. C'est-à-dire qu'ils mettent un jeune... Qui paraissait assez brillant, hein, parce que vous ne le voyez pas souvent, mais moi, à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal, assez souvent, on le subit. Et parmi ceux des ministres qu'on voit souvent, c'est celui qui est le plus à l'aise, hein, avec un certain Darmanin ou un certain Bruno Le Maire. Et là, 1h30, c'était long. Bon, mais on s'en fout de la forme. Le problème, c'est le fond. Et quand on gratte un peu, eh ben, en gros, c'est un discours... digne des années 70, fin des années 70, Thatcher, Reagan. Il vit dans un monde, ce garçon, où il n'y a pas de société, exactement comme Reagan et Thatcher. Il y a un problème du chômage, mais c'est la faute des chômeurs. C'est évident. Il a inventé un terme, la smicardisation, et donc la désmicardisation de la France. Alors, il faudrait quand même que quelqu'un, un conseiller, lui explique que s'il y a beaucoup de smicards en France, c'est parce que les salaires n'augmentent pas, et le seul qui augmente, c'est le SMIC, puisqu'il est indexé en partie sur l'inflation, et que s'il veut désmicardiser la France, il suffit de reprendre la proposition de la NUPES, qui est l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est facile. Et il suffit de demander à ses copains patrons, hein, parce qu'il en a quand même plein, les macronistes ont beaucoup d'amis chez les patrons, d'augmenter les salaires. Hein. Mais non, c'est pas ça la désmicardisation. C'est en fait, on va baisser le SMIC, on va baisser. Voilà, c'est surtout ça, sa stratégie. Donc, ça, c'est sur la question de l'argent. Voilà, ça reste vraiment une position totalement. Il y a un problème de son. Position totalement individualiste. Si vous avez un problème, c'est de votre faute. Si vous avez un problème de transport, c'est de votre faute, etc. Et donc, c'est vraiment un discours et une politique générale de droite, de droite, de droite. Voilà. Et ça, c'est triste, parce qu'on n'est plus en 1978-1980. On a la crise climatique, on a les inégalités sociales,
Donc on aimerait bien quand même retrouver le Macron du Covid, à la limite, au moins dans le discours, ça nous ferait des vacances. Quand il disait que tout ne s'achetait pas et que tout ne pouvait pas être une marchandise. Bon, personne n'y croyait ici, hein, dans la salle. Mais néanmoins, là, non, on revient à une politique bêtement de droite. Alors, après la loi immigration, on pourrait se dire, bon, les macronistes font une politique de droite, ils font la course à l'échalote avec l'extrême droite, au moins ça clarifie le paysage, ils sont de droite. Et on pourrait s'en satisfaire. Et moi, je pense quand même que c'est grave et qu'on ne doit pas s'en satisfaire. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que ça déplace tout le paysage politique sur la droite en ce moment. Et que les idées de droite, les idées terribles du Rassemblement national, de la préférence nationale, elles n'ont jamais autant progressé que depuis la loi immigration. Et ça, il faut absolument le combattre. Parce qu'il y a un vrai risque dans ce pays qu'aux prochaines élections générales, le Rassemblement national gagne. Il y a un risque, ce n'est pas une certitude. Mais il faut qu'on en cause sérieusement de cette affaire. Parce que certains disent, finalement, comme ils se déplacent globalement vers la droite, hein, finalement, c'est juste une accentuation du macronisme, Bardella. Moi, je voudrais dire, je ne suis pas sûr que ce soit juste une accentuation. Ça peut être une rupture. Et quand il y a une rupture avec l'extrême droite, quand ils arrivent au pouvoir, tous ceux qui sont dans cette salle, ils sont remigrés. Je suis sérieux, ils sont remigrés avec les migrants. C'est ce qu'a proposé l'AFD en Allemagne. C'est ce qu'ils ont proposé, là, il y a 2 semaines. Ils ont proposé ça. Ils ont dit, ils se sont mis d'accord avec des fachos, des néo-nazis, ils ont discuté ensemble. Ils ont dit comment on pourrait remigrer les migrants et ceux qui les soutiennent. Tous ceux qui sont dans cette salle, vous êtes dans ceux qui les soutiennent, les amis. Hein. Vous n'avez peut-être pas compris, mais c'est... Voilà. Donc l'extrême droite, je commence à faire un travail avec un des collaborateurs pour regarder ce qui se passe dans les pays où l'extrême droite est arrivée pour la gauche. Eh bien, elle ne s'en remet pas, ou elle s'en remet difficilement, même si ce n'est pas le fascisme autant comme on l'entend. Voilà. En Hongrie, il n'y a plus de gauche. En Pologne, il n'y a plus de gauche. Ça apparaît même une victoire quand un type de l'oligarchie bat l'extrême droite, alors qu'en fait, il est en plein dans l'oligarchie, Tusk. En Grèce, il n'y a plus de gauche. Voilà, en Grèce, on en reparlera. Mais globalement, cette histoire-là est grave. Donc, il faut que nous arrivions à battre l'extrême droite. Parce que ce qui est en train de se passer avec la Macronie, on rigole avec la ministre, la nouvelle ministre, on rigole avec Attal, mais ça veut dire qu'ils sont en train de s'effondrer. Donc, ça va se jouer entre nous, la gauche, et eux, l'extrême droite. Et si on ne veut pas que Bardella soit Premier ministre et Marine Le Pen soit présidente, il faut que nous, on gagne. C'est ça l'enjeu de 2024, et de 2025, et 2026, et 2027. Alors, comment on fait ? Hein, c'est la... Que faire, disait Lénine, dont on vénère l'anniversaire de la mort. Alors, que faire? D'abord, on part de nos colères. Parce que les colères, elles sont parfois mauvaises conseillères, mais parfois, elles nous donnent de l'énergie. Qu'est-ce qui vous a mis en colère cette année? Bon, moi, je vais vous résumer ce qui m'a mis en colère. Ce qui m'a mis en colère, c'est d'abord ce qui se passe en Palestine, à Gaza. À Gaza, et c'est lié à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est quoi l'objectif militaire du gouvernement? C'est quoi? L'objectif militaire du gouvernement, c'est la purification ethnique. Parce qu'ils veulent maintenant un seul État, et un seul État ethniquement pur. Comme ils n'y arriveront pas, ça veut dire qu'ils vont aussi organiser l'apartheid. Et pour faire ça, ils sont obligés quasiment de faire un génocide. Voilà, c'est ça qu'on a à Gaza. Mais faire un État ethniquement pur, c'est une politique d'extrême droite, c'est une politique raciste. Donc c'est les frères, les sœurs du Rassemblement National et de l'AFD dont on parlait tout à l'heure. C'est la même logique, en fait. Ensuite, colère sociale, évidemment. Les uns et les autres vous en ont parlé avant moi. Mais juste, je vais reprendre le chiffre que vous a donné Pauline. Il y a 330 000 sans-abri en France en 2024, au 1er janvier 2024. Est-ce que c'est normal? Il y en avait qu'un tiers de moins, il y en avait 100 000 dans les années 2000. Ça ne cesse de progresser. Et ça n'a cessé de progresser pendant l'ère Macron. Ça ne cesse de progresser. Et ils ferment de l'habitat d'urgence. Ça, c'est pas normal. Pareil, les salaires, l'inflation. En France, on a eu une baisse de vos salaires, la valeur de vos salaires de 2% en moyenne. Et ça masque d'immenses disparités. Certains, c'était beaucoup plus que 2% qu'ils ont perdu, notamment les retraités. 2%. En Belgique, là où ils ont les salaires indexés sur l'inflation, c'est des données de l'OCDE, hein, les salaires réels ont progressé de 3% parce que leurs salaires sont indexés sur l'inflation. Et puis, l'école, on l'a dit, autre colère importante, ils cassent nos services publics.
L'hôpital, maintenant on meurt dans les couloirs en attendant que les médecins aux urgences, vous l'avez vu, c'est près de chez nous ça, un jeune de septicémie. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, les médecins aux urgences, de gérer tout ça. Alors, Attal, il a la solution. Hein. Vous savez pourquoi il y a des problèmes à la... hein? C'est parce que vous n'allez pas à vos rendez-vous. Vous avez entendu ça? Non mais franchement, c'est le Gorafi, Attal. Hein. L'amende du rendez-vous, vous avez entendu ça? C'est que maintenant, quand vous allez louper un rendez-vous parce que votre transport en commun va se planter à un endroit ou à un autre, et ben vous allez payer le rendez-vous. Voilà. Donc l'hôpital est cassé. Complètement cassé. Il est au bord de l'effondrement. L'université, c'est pareil. Elle n'arrive pas à absorber les nouvelles générations. Il y a plus de 100 000 jeunes qui restent sur le côté, sur le bord du chemin, etc. parce qu'il n'y a pas de place en licence. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont dans le privé. Et donc, du coup, les copains d'Attal et les copains de Macron, surtout, se font un blé de dingue avec cette affaire. C'est tous leurs potes, Martin Hirsch, tout ça. Ils sont dans un groupe qui s'appelle Galiléo, notamment. C'est un groupe de privé. J'ai fait un rapport dessus cette année, donc je fais un collab. Et bien ça, ils se font un blé de dingue, c'est subventionné par l'État, parce que c'est leur projet, cette affaire. On casse le public, on crée du privé, et on se fait du blé là-dessus. C'est ça leur projet. Donc ils ont cassé l'école, ils ont cassé l'hôpital, mais avant on aurait dû... ils ont cassé aussi la poste. Moi je discute avec des postiers, puisque je rencontre régulièrement la directrice de la poste, voilà. Parce que c'est dans les relations de la poste, de la communication. Du coup, je rencontre les salariés parce qu'en fait, ils vivent dans deux mondes différents. La directrice et les salariés, ils ont l'impression qu'il y en a une sur Pluton et l'autre sur Mars. C'est très drôle. Bah, globalement, ils ont cassé la poste à Marseille. Moi, une fois, je lui dis à la directrice, je lui dis, mais c'est pas possible de se faire livrer un colis à Marseille. C'est un truc, c'est... Bon, moi, le courrier, maintenant, ils le mettent sous la... Hein, sous la... Ouais, tu l'as dit pareil. Ben, voilà. Ben, c'est bien que si tous les élus lui disent pareil, parce que moi, elle arrivait, elle a dit, mais le service progresse. Je dis, non, arrêtez vos conneries. J'habite la plaine, le courrier, je ne le reçois plus. Donc ça, c'est un problème, c'est la poste. Et puis l'énergie, parlons-en de l'énergie. Un autre service public qu'ils ont cassé méthodiquement avec EDF. Mais ça, c'est très grave. Cette semaine, la semaine dernière, j'étais sur les questions de traitement des déchets nucléaires à l'Office parlementaire d'évaluation des choix technologiques et scientifiques. J'étais déjà anti-nucléaire, mais après avoir regardé comment ils traitent les déchets nucléaires et comment toute la chaîne est fragilisée à cause du privé, parce qu'ils ont privatisé tout ça avec Orano, on y a de quoi flipper, hein. Si c'est le public encore qui gère, on sait où ça... Mais là, maintenant, c'est que des logiques privées, que des acteurs privés, et du coup, on n'a plus d'informations, on n'a que de la communication. On a des start-up qui lancent des micro-réacteurs, et heureusement, on a encore l'IRSN et l'ASN qui nous disent « Non, mais ça, quand même, c'est pas sérieux. » Bon, heureusement, eux, c'est encore des acteurs publics. Mais sinon, tout est privatisé, donc ils sont dans de la pure com, ils vous disent « Il n'y a pas de problème. » Quels que soient nos choix sur le nucléaire, il y a un moment donné, il va falloir qu'on soit sûr des informations que nous donnent les ingénieurs, les travailleurs du nucléaire, etc. Et pour ça, on a besoin que ça soit public. Un grand service public de l'énergie, c'est nécessaire. Alors ensuite, dernière colère, et après j'en arriverai aux propositions. Dernière colère, c'est l'environnement, évidemment. Et là encore, les mensonges d'Attal, ils sont exceptionnels. Il a quand même réussi à dire, on émet de moins en moins de CO2, vous avez entendu ça, il a dit ça. Alors, comme c'est un peu mon domaine, voilà. Pourquoi, tendanciellement, on émet un peu moins? Bah, parce qu'il y a eu le Covid. Et tout le monde, on a émis moins. Si tu mets les deux années de Covid dedans, c'est sûr que tu émets moins. Et puis surtout, parce que l'émission ne veut rien dire. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Parce que pourquoi on émet moins? Mais parce qu'on a moins d'industrie. Et oui, on désindustrialise. Et donc, forcément, on importe des produits qui émettent du carbone en Chine. Mais si vous mettez ce calcul-là, heureusement, hein, l'État français, maintenant, publie l'empreinte carbone. Ça, c'est des chiffres qui sont sur le site du ministère. Et si on regarde ça, bah, l'empreinte carbone en 2016, c'est 9,2 tonnes de carbone par habitant. L'empreinte carbone en 2022, c'est 9,2 tonnes de carbone par an. N'a pas bougé. N'a rien fait pour le climat depuis que Macron est élu. Rien. Bon, vous n'êtes pas surpris quand même, non? Est-ce que globalement, les transports en commun, ça va mieux depuis que Macron est là? Bon, prendre le métro à Paris, il faut vraiment maintenant être bodybuildé, il faut... c'est une catastrophe. Et puis alors le fret ferroviaire, je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que l'Union européenne a quand même décidé qu'il fallait liquider fret SNCF. Ça c'est le truc le plus hallucinant de la période. Bon. Du coup, ce qui était sur le fret, donc sur les rails, en marchandises, on va être sur la route. Parce qu'il faut la concurrence libre et non faussée. Enfin, bon, ceux qui feront ces sourcils, je vous expliquerai. On a eu une commission d'enquête là-dessus, c'était très intéressant. Alors,
Toutes ces colères, elles sont là. Et donc, il faut continuer à dire aux citoyens, ça ne peut pas continuer. Et en même temps, on ne peut pas en rester là. Parce que si on dit juste, ça ne peut pas continuer, si on ne donne pas de l'espoir de quelque chose d'autre est possible, qu'est-ce qui se passe ? Bah, la colère est mauvaise conseillère. Donc la colère, elle aboutit parfois au vote Rassemblement National, parfois et encore plus souvent à l'abstention. Donc il faut arriver à redonner de l'espoir. Et c'est ça, c'est vraiment ce point-là qu'il va falloir travailler dans les années à venir. Et en 2024, mon principal vœu, c'est qu'on arrive à faire de toutes ces colères un rassemblement, des rassemblements et des victoires. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Alors, j'ai quand même de l'espoir, parce qu'en France, ça bouge. Il y a 5 ans, il y avait les gilets jaunes sur tous les ronds-points de ce pays. L'année dernière, on n'a jamais eu un mouvement des retraites aussi puissant. Des millions de travailleurs sont descendus dans les rues. Ce n'était pas suffisant, mais on était nombreux. Et surtout, on a gagné une chose. C'est que sur les grandes questions sociales, c'est nous qui sommes majoritaires. Les Français, ils veulent l'indexation des salaires sur l'inflation. Les Français, ils veulent la retraite à 60 ans. Les Français, ils ne veulent pas que 1% des plus riches récupèrent 50% des richesses. Que 3,5% des propriétaires possèdent 50% des logements de locataires. 3,5% des propriétaires possèdent 50% des logements des locataires. Faites bien ce calcul-là. Et après, quand on vous dit « oui, mais la rénovation thermique, tout ça, c'est compliqué », non, il faut prendre l'argent là où il y en a. Bon. Donc, il y a eu ça. Et là, il y a la colère des agriculteurs. Alors, est-ce que c'est simple ? Je ne vais pas en faire un cours long sur ce mouvement des agriculteurs. Mais sur deux revendications centrales, nous sommes d'accord toutes et tous ici avec les agriculteurs. Un, les agriculteurs doivent pouvoir vivre de leur métier. Donc, ça veut dire des prix planchers. Et ça tombe bien, c'est ce que la NUPES a défendu dans sa totalité lors de la niche LFI. Des prix planchers pour que les agriculteurs soient bien rémunérés. C'est simple. Bon. Deuxième chose assez simple, on arrête ces accords de libre-échange. C'est pas possible, cette affaire. Tiens, on va pas continuer à bouffer de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Non, mais l'agneau de Nouvelle-Zélande, enfin, on en parle, quoi. Enfin, c'est quoi ce délire ? Et je comprends la colère des agriculteurs. Prenez juste un exemple, le cerisier. Il y a une mouche qui s'appelle Suzuki, c'est facile à retenir, Suzuki. Hein. Eh bien, elle détruit les cerisiers. Alors, on a un pesticide qui permet de lutter contre la mouche. Il est dangereux. Mais certains l'utilisent. En Espagne, partout, ils l'utilisent. Et pas en France, on n'a plus le droit. Donc, quelles sont les cerises que vous bouffez ? C'est des cerises qui viennent d'ailleurs. Mais moi, je serais agriculteur, je pèterais un câble. Enfin, c'est normal quand même, enfin, cette affaire. La concurrence libre et non faussée. Enfin, bon. Donc globalement, là, on a aussi un mouvement qui nous permet, et on va voir comment ça tourne, mais c'est un mouvement qui est très surprenant quand même. Alors ne nous leurrons pas, hein, il est quand même vachement plus interclassiste que le mouvement des Gilets jaunes. Moi, je rappelle quand même que les 10% les plus riches des viticulteurs gagnent par an 123 000 euros. Soit deux fois ce que gagne un député. Hein. Les 10% les plus riches, non, quand même. Hein, donc il y a quand même, dans les agriculteurs, il y en a 20% qui ne vivent pas ou qui sont en dessous du seuil de pauvreté, mais il y en a qui vivent très bien et qui ne sont pas nos alliés dans cette affaire. Mais c'est bien là, avec ce mouvement, on va voir qui est où. Parce que là, Attal et son ministre viennent de dire bah, finalement, on arrête le plan éco-phyto, ce qui est une hérésie, cette affaire. C'est-à-dire qu'on va continuer à mettre des pesticides dans l'environnement. Mais c'est un drame surtout pour les agriculteurs. Hein. Enfin, pour nous, on a augmenté de 10% la consommation de pesticides depuis 1998. Donc on n'est pas du tout dans une dynamique de descente. C'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour les oiseaux, c'est mauvais pour les insectes. Mais c'est un drame pour les agriculteurs. C'est lié directement au lymphome, au myélome, au cancer de la prostate. Tout ça, c'est une note de l'INSERM. Tout ça, c'est connu, c'est su. Et là, il vient d'annoncer aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, que allez, on continue. Au lieu de dire un truc simple, c'est oui, on diminue les pesticides, mais en même temps, on protège les agriculteurs en arrêtant les accords de libre-échange. C'est quand même simple, cette affaire. Quand on pose comme ça. Et pour ça, il faut désobéir. On parlait de la Grèce. Il faut aller jusqu'au bout. Eh oui. Sinon, ça ne va pas. Alors, moi, je pense que de ces colères, on peut créer quelque chose et de l'espoir à partir du moment où on a des solutions. Et que ces solutions, elles sont majoritairement acceptées par les citoyens et les citoyennes de ce pays. Et les solutions, je ne vais pas vous les faire, la liste, puisque c'est les 600 mesures du programme de la NUPES qui nous a permis de me faire élire, mais d'élire plus de 150 députés de gauche à cette Assemblée nationale. Donc on ne part pas de rien. On a ce programme. Ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un point de départ.
mais c'est un point de départ extrêmement solide, les amis. Et à partir de ce point de départ, on devrait pouvoir construire un certain nombre de propositions et se rassembler pour essayer de gagner. Alors, c'est mal barré pour les européennes. Je vais conclure là-dessus. Moi, j'ai toujours dit qu'il aurait mieux valu qu'on soit unis. Parce que face au RN, face à tout ça, c'eût été mieux, mes camarades écologistes. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, là. Il y en a quelques-uns. Il y a le maire, surtout. Non, ça aurait été mieux. Bon, on va pas en reparler pendant 10 ans, mais c'est pas terrible, cette affaire. Bon. Maintenant, une fois que les européennes seront passées, il va falloir qu'on se rassemble, qu'il y ait dans la rue qu'on se rassemble. Et ça, les syndicats nous ont montré la voie aux retraites. Qu'on se rassemble sur une ligne de rupture. Parce que si c'est pour se rassembler, évidemment, pour refaire Hollande, mais même Jospin, ça suffit pas. Mais même Jospin, mais même Mitterrand, jusqu'à partir de 83, ça me va pas. Faut qu'on se rassemble sur une ligne suffisamment de rupture pour vraiment changer la vie des gens et vraiment sauver la planète. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Et moi, je m'engage, en tout cas, devant vous, je continuerai de faire tout ce qui m'est possible pour moi pour essayer d'œuvrer à ce rassemblement sur une ligne de rupture. Et maintenant, place à la musique. Bravo.